Désir Venesse et ses amis internautes, la police nationale d'Haïti fait un gros coup dans le Gressier. Dimanche, qui était 8 septembre 2024, là. La police nationale d'Haïti, force de l'audio, a fait un gros coup dans le Gressier, même gens, avec la population dans le Gressier, hein. A fait un gros coup tout parce que la police, m'a regardé une petite vidéo là, m'a regardé quelques photos là, m'a regardé moi. Et 1, 2, 3, 4, n'importe 5 à 6 nègres là, la gade semble là, ta joindre mon épiesio, dans le cadre opération que la police menait dans la commune Gressier, dimanche après-midi qui était 8 septembre 2024 là. C'est vrai, c'est triste parce que c'est des jeunes garçons qui peut-être étaient capables d'utiliser le pays, mais ils ont accepté que de moun décide rentrer yo dans activité criminelle, accepter qu'un des armes illégales nan men yo, accepter terroriser population, accepter poser un ensemble d'actions malhonnêtes, et je dis, et gen moun ki ta dit, après pile méchanceté que nèg sa fait moun, prend moun, touye moun, nan mitan kafou, jan an di yo touye monsieur Pierre-Philippe Agnan, et yo mette dife sou li, mette nan bouette, et bien gen moun ki dit que, mais même so que bandi yo fait avec moun yo, mais c'est même so sa pour yo fait avec bandi armé yo. Ça veut dire gen moun ki dit que, yo pa prend la peine, yo pa prend pitié pour bandi armé, lè ki yo tande que la police ou bien force de l'audio, et nan boukante kout zam avec yo, yo pet bandi la vie, mais en même temps tout, il n'y a pas pris la peine pour yo, les que c'est population civile qui décide de s'enlever les bois calés. Et c'est là le problème qui existe parce que je dis, nous remarquons que c'est violence qui a essayé de résoudre violence qui est là. Comprenez bien? C'est violence qui a essayé de résoudre violence qui est là. Et c'est là le problème. Nan. Parce que qui quantité de violence qui vous a fait, qui vous a gagné, pour que vous résoudre ça qui est là comme problème? Mais j'en que situation qui t'a présenté, j'en que réalité qui t'a yé là, je dis, obligé de dire tout que, est-ce que nous pas nos situations pour que c'est violence qui vous gagne, pour que yon résout sa gain là, et après ça, n'a pensé état de droit, n'a pensé société, n'a pensé ensemble de la bagarre dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Mais, j'en de je dis, nous pas dans état de droit. Et puisque nous pas dans état de droit, nous avons une anarchie totale capitale. Nous avons une anarchie totale capitale. Et je dis, obligé de dire que, pas oublier, l'État qui monopole violence légitime, non? Et l'État, c'est lui-même tout, qui a une impérieuse obligation pour être capable de protéger le droit à la vie chaque haïtien. Mais si qu'on y a, haïtien, ça décide de tomber dans désaccord, dans désobéissance à la loi dit, eh bien, il clairement que, attendre que n'a tombé dans la situation ça. Et je dis, ça pour nous comprendre, je dis, ça pour nous garder, la police, l'armée d'Haïti, obligé de comportement ça, c'est parce que, yo même tout comme policier, yo même tout comme militaire dans l'armée d'Haïti, yo connaissez under ghetto à ressorti. C'est là madame yo a vive, c'est la petite yo a vive, et la maman, papa, frère, c'est yo a vive, qui donc, yo a obligation pour établir sécurité en dedans ghetto. Et ça fait, yo continue à avoir des moyens, malgré moyens limités, mais avec ça, yo a toujours dit, yo a essayé de goumer, yo a essayé quand même garder, j'ai capable porter solution avec ça là comme situation. Et j'en disant, dans Gressier, dimanche 8 septembre 2024, là, la police frappée, pour pipiti 3 à 4 présumés bandits, que nous connaissons fait partie ensemble groupe gang qui dans Gressier, qui tombe, qui va les bloubouchio dans échange coup d'âme avec la police, mettez sous ça en même temps tout, gen un bandit créé, Ti Michel, qui va boire calé dans Gressier, qui donc, Gressier, je dis là, li en mode opération entre la police et population civile qui a vécu dans Gressier des Ivenes. La situation de population dans tout pays a presque appris destiné jusqu'à présent parce que ouais on l'autre vent qui a vanté avec responsabilité que la police dans toute unité a pressé pour là pour permettre que sécurité tourne dans pays et ben dans Léogane précisément dans zone Bouillotte troisième section communale et Grande Rivière population touillé des chauffeurs taxi moto yo accusé yo et comme moun qui fait partie réseau criminel gang qui nan Gressier k'ap bay problème monsieur sa débarqué dans les organes et ben population ba yo ça yo mérité et moun yo dit yo pas quitter bandi vin faire ça ou vle ak sa ou vito nan zone pa ou dans les organes parce que situation paraît très difficile ensemble activité yo toujours été paralysé dans rentrée nord capitale là c'est conséquence sa présence permanente nèg ak gros am fan fwa qui nan mé sur route nationale numéro 1 dans niveau canaran bandi si la représenté yon
gros danger pour sécurité arrondissement à Kaye, côté citoyen qui dans Kaye, c'est presque chaque jour malgré gain présence et pour Kounia et monsieur Boyto qui rive qui vient renforcer la police dans Kaye, mais ça pas empêcher que moun yo trouvé dans situation très difficile, très douteux. Le Sagin 27 l'année, la situation et yon 8 septembre 1997 sous administration et défunt René Gassa Prival, et bien te gagné et plusieurs centaines gonaïviennes qui te rivé perdu la vie et non l'en met et malheureusement à travers un bateau qui te relé fianté gonaïvienne et li te coulé et ensemble nous sommes rivé perdu la vie. Et jusqu'à présent, il y a des revendications qui ont venu pour demander avec autorité pour essayer de contrôler surtout ces manas pour prendre contrôle monde qui prend et l'en met. Et toutefois, qui au besoin qu'on est, dans quelle dimension, dans quel niveau, parce qu'en pile haïtien, il veut perdre la vie dans condition ça. Commandant, MSS, Godfrey Otunge, annoncé pour fin mois septembre, la situation a gagné. Il y a un autre contingent de plusieurs pays qui a entré en dedans pays. D'un coup, Bahamas, Jamaïque, Belize, c'est toujours dans le cadre de support sécurité multinationale là, d'après et officier, d'après chef officier et Godfrey Otunge, eh bien, il fait quoi qu'il y a continué à avancer pour permettre que et question sécurité a rétabli dans le pays hein, et regardez pour qui va dans police ça va venir augmenter sur quantité police kenyan yo qui va rentrer dans pays hein, il fait quoi que ensemble ça qui pour avec opération yo pral intensifier dans capital pays ta dans commune quoi des bouquets Port-au-Prince Delma à Kazone qui dans périphérie yo ça permet que moun yo qui dans département la Tibonite les ouais ensemble autorité quel dans la police quel à travers force multinationale là quel dans gouvernement pas penser avec situation qui est dans le département de la Tibonite, là, il a demandé est-ce que la Tibonite pas fait partie pays et elle connaît il y a une insécurité et qui enragé dans le niveau du département de la Tibonite côté monde pas suspendre violer mourir et même détourner camion marchandises qui a fréquenté route nationale numéro 1. Vestation du premier ministre Dr. Gary Conille avec ministre santé a, et nous voulons parler de Georges fils Brignol pour qu'on y a yo pratiquement entendu pour yo joindre et yo entendre après l'aide de blâme que premier ministre santé voué by et ministre santé publique là parce que l'ité a fait une série de nominations pendant et pratiquement lui-même l'ité pratiquement dit non que ça a pas de fait et c'est la primature qui était doué et permettre qu'ensemble nomination fait. La situation dans démonstration que la police présentée dans zone Kwade Bouquet sur route nationale numéro 8 là côté gang 400 maroze de monter mirage et bien la situation yo arrangé qui permet au moins que la police se prépare dans la situation mais bandits yo toujours arrangé yo fouillé des gros trous dans l'espace pour toujours gagner contrôle situation. On population pas qu'on a qui 5 kilos de ADC après intervention de la police eh bien bandit 400 maroze détourné plusieurs camions qui t'a transporté marchandises pour dire à cigarette et eh bien yo porté ça yo yo kembe dans base avec machine yo. Bon pas gagne monde qui connaît qui ça qu'on va faire avec chauffeur. Dans le dossier qui est lié avec méchanceté artiste que nous songeons, en plus, nous avons demandé qui côté artiste là. La police dans l'État Floride a arrêté Ali Emilien, vendredi qui était 6 septembre 2024, là, sous plainte. Famille artiste là était déposée, selon l'information qui fait quoi, Ali, c'est une monde qui était organisé voyage, bateau, sorti Bahamas, sorti entre États-Unis, qui est artiste méchanceté de la donne, ou jusqu'à présent, que personne, par exemple, connaît, et c'est un voyage qui a organisé depuis le mois de juillet, parce que Blaise Peterson et ça on est pratiquement et pour le faire essentiel et monsieur nous pour matin côté nous pour discuter nous pour regarder avec les amis internet responsabilité que la police a pris là qui ça qu'elle cap pour en plus qui ça qu'elle doit faire au même comme peuple qui cap permettre que les résultats yo paraître visible et direct pour la population se dit dans sa liable situation. Désir Venès, ça m'a annoncé encore de plus c'est que m'a regardé là en bas j'ai dans ville cap haïtien et gagné là et gagné là Désir Venès dans bas j'ai là. Au total, n'importe 7 à 8 jeunes garçons qui, dans le commissariat Cap-Haïtien, c'est ça que nous apprenons. Et il semble pas que les gens qui comptent qui est sur eux, même comme si vous pas habitué avec visage ça yo. Et ceux qui sont jeunes garçons, mon cheveu tressé, tout ça yo, et semble désir, monsieur, que les pas même que pièce sur eux. Même du pièce, ça veut dire, pour être capable d'identifier qui est sur eux. Les bien samedi, hein? Ça sont informations que des journalistes qui n'ont pas ici partagé. Est-ce que jeune garçon ça yo côté au sorti qui est sur yé ça qu'arrivé pas mon capaïtien mais au sorti dans une ville ou dans une localité dans un département non pays d'Haïti. OK, ça qu'arrivé. Ça qu'arrivé. OK. Mais kounya et autorité policière yo kebe monsieur yo en garde à vue et pour capable j'aime plus donner plus information de ensemble jeune garçon sa yo. Et m'a dit clair, dans moment, jeune garçon même j'avais yo.
messieurs, dames, jeunes garçons, jeunes femmes, qui n'ont comme si qui, c'est des jeunes gueux. Dans le moment, gué de côté, l'État déconseillé pour que nous pas fait zone ça. Alors, bien dire, si nous avons une mauvaise affaire, si nous avons une mauvaise affaire, on est que nous pas dans bagay ou dans comportement nous. Ça veut dire, gué des zones, gué des laits, gué des espaces qui pas fait pour nous. Non, dernier temps ça yo. Gué des zones, gué des laits, gué des espaces qui pas fait pour nous dans le moment. Parce que sinon, n'a victime, et l'en victime, n'a passé parmi la foule. C'est bien samedi. N'a victime, n'a passé parmi la foule. Si qu'on connaît, nous pas mauvaise affaire, nous pas un drôle. Mais ce qu'on a, c'est mauvaise affaire. Ou apte une pièce pour la police, ou apte une pièce pour l'armée, ou apte une pièce pour Kenyan yo. Bon, laisse ça. Si dans intervention yo, dans opération victime, il y a mon qui t'a dit, ou mourir dans le pied de travail ou? C'est comme ça me le dit. Si vous me dites que jeune garçon, ça qui trouve yo, m'a regardé photo, m'a regardé image yo, dans le commissaire cap-haïtien, que y a posé question pour demander qui est yo, côté yo sorti, bon, t'as souhaité que yo j'ai une information de yo, et t'as souhaité tout, c'est pas t'as des jeunes garçons qui t'as dans de mauvaises affaires. Vous comprenez ça me le dit. Qu'on a désir, en on vini, nan cause, et gros frappe que la police baye nan Cressier. Nan après-midi te dimanche, 8 septembre 2024 lan. Pas oublier que Cressier, ge plusieurs mois que nous connaît, bandi a fait la navette nan différentes localités nan commune Cressier. C'est vrai la police, jusqu'à ce que négoté même fait un gros envahissement, nèg boule commissariat, nèg crase commissariat, nèg tué plusieurs moun. La police vini, koui de nèg yo ale, gen mouri ale, nèg yo retourne. Mais la police retourne encore. Kounye nèg yo ese ap egaye yo, nan divers kote, nan commune Cressier. Et nèg yo fan pile mauvais action. Nèg yo komet an pile action malhonnête. Nou kon sa clair. Et pendant semaine se passe yon la, si m'ba trompe m, entre mercredi ou bien jeudi, moun nan commune Cressier, yo tap lancé des SOS, yo tap lancé des cris d'alerte. Pour yo di que gen plusieurs machines bouées avec de jeunes garçons, zam à la main qui envahit comme une Cressier. Et yo tap lancé des SOS et yo tap mandé renfort pour police Udmo Utag qui l'autre bois. Et gen la désir et quelques chablende policiers et l'armée d'Haïti, yo té poté renfort. Mais police était déjà l'autre boyo. Mais nèg yo mené n'apprendre que de opération solide dans commune Cressier et désir de en pile jeune garçon qui va la donner naissance. Et j'aime dire en désir m'a regardé en bas j'aime là ça fait 1 ça fait 2 ça fait 3 ça fait 4 ça fait n'importe 5 jeunes garçons presque qui tombe m'a regardé là. Et m'a regardé Jean que tête nèg ça au crasé là Jean que moi nèg ça crasé empilé pile sous pile là li dérangé parce que moi dit tout à l'heure jeune ça yo si yo pas décidé kebe sam yo pas décidé rentrer dans mauvaise affaire t'es qu'un doit c'est des ingénieurs que oui t'es qu'un doit c'est des médecins que oui. T'es que c'est des bons techniciens électriciens qui ont bon mécanicien qui ont mais ils t'es qu'ils ont pris un chemin, ils ont pris une ligne qui c'est une ligne mauvaise affaire. N'a théorisé, n'a touillé, n'a détourné, n'a violé, n'a crasé, n'a brisé. Mais qui donc si je dis là, ça qui a vivre là, ça crie là, des monde qui t'a dit que je pas prend la peine, je pas prend pitié pour you. Bon moi-même. Comme directeur d'opinion, ça m'a capable de dire, m'a toujours dit que, moi pour que force de l'audio, moi pour que l'État, dans tout compartiment, prenne de disposition pour y établir sécurité et la paix en un pays. Ça m'a toujours dit. Kounya, et face à l'utiliser pour établir sécurité, moi même pas force de l'ordre,
m'ba autorité yo, m'ba kon ki sa utilisé. Aussi nous ensemble dire. Mais moi-même puisque me connais voix avec désir venesse. C'est rivé pile loin par rapport avec un pile moun qui te capoté message ça, qui a demandé sécurité, qui a demandé la paix en un pays, eh ben moi-même avec désir venesse utiliser voix nous pour que nous parlions dans nos mondes ça yo qui besoin de sécurité en un pays qui besoin de la paix en un pays qui besoin que quel que soit secteur quel que soit groupe quel que soit acteur que hier qui impliqué dans insécurité que là l'État doit agir contre tout quel que soit tes bandits à sa patte quel que soit tes bandits et à cravate. Je dis, hein, quel que soit tes nègres en haut, ou tes nègres en bas, ou tes gros zouzoun, ou tes timalérez, ou tes green, ou tes cheveux kalalou, je dis, hein, l'État doit pas un l'État de poids et de mesure. L'État doit agir dans toute intégralité comme sa droit pour arriver à établir sécurité la paix en notre pays. Et nous dit, établir sécurité la paix en notre pays, c'est tout une parenthèse, paramètre, aspect pour nous garder. C'est vrai, Jean que Michel-Ange le jeune dit là. C'est vrai, nous avons regardé devant, c'est des gens à uniforme la police, comme si la, des policiers, l'armée, qui vous là, qui vous travaillent dans résoudre l'insécurité. Mais pas oublier, il y a un ensemble de petits détails, il y a un ensemble de petits paramètres qui existaient, mais nous devons être dans le compte de eux et ne pas négliger eux. Parce que c'est tout ça qui a nous, ça nous besoin comme sécurité. Hein. C'est tout ça la n'a joine qui a ba nous stabilité hein. Et je dis hein m'le que chaque monde comprenne si que nous moi avec désir venesse nous prenons de engagement moi tout je dis n'a toujours primé question sécurité hein. Parce que pour qui ça ouais tout ça m'a vienne parler là yo politique élection grand goût misère. Tout ça au lié et c'est insécurité qui c'est qui augmente ça c'est insécurité qui crée ça yo mettez avec mauvaise foi politiciens nous yo qui yo même là t'es passé dans l'état yo crasé paysan yo vandalisé paysan yo fait un ensemble d'action dans paysan et qui la cause jodiyan pays a vinn effondrer dans salé là ou les gars besoin faire élection et yo dit ouais pas ouais y a monté carré paysan même même commonso. Ouais pas ouais, il y a monté carré payant malgré que des secteurs qui décrié qui est division dans mitan yo. Mais on dit faut que monter quand même. Mais qu'il n'y a pas de problème. Carré permet monter. Dit monter va faire élection. Carré permet monter, il met commencer travail sur loi électorale et bon le commencer lancer processus est-ce qu'il sont candidat yo, qu'il a dit côté nous va faire élection. Dit qu'il a comme un candidat pour arriver mener campagne. Dim kounya comment mambe fait bureau de vote pour arriver à travers dans bureau yo. Dim ki jan kounya électeur pral arriver voter. Mais problème non. Mais problème pour commencer pour mettre carré à camper. Pour mettre machine électorale à camper. Faut pas oublier élection pour nous besoin qui c'est une obligation pour nous faire hein. Faut d'accord. Faut que sécurité pour élection capable organiser dans toute sérénité, dans toute tête frais de tranquillité. Et pour permettre que quel que soit monde que lié capable à voter. Ce moi dit, nous pas qu'arrêter nos éternelles transitions. Nous pas qu'arrêter parce que nous sommes arrière sont gaspillés, gagotés à tout André Michel, à toute équipe lien 32 mois là. Est-ce que équipe Gaïconi là mettez avec conseil qu'il a yo pour arranger tout pour que yo fait une petite 19 mois. On pose cette question. Et je dis, hein, plus gros souci, hein, plus gros détermination, hein, c'est rive établi sécurité. Mais que je dis, hein, la police pas lâché prise dans Badelma. La police toujours présente ensemble de côté. Mais la police, faut nous dire bien, que deux zones là, c'est priorité des priorités. Crécier, à travers gros coup ça, que force de l'ordre fait dans Crécier, dimanche 8 septembre, non? En plus, on applaudit ça. Mais qu'il y a des zones tout qui commencent à besoin de présence nous. Dans Balatibonite, sur le Canaran, dans la route sud, là, il y a besoin de présence nous, monsieur.
et les Ibanez, est-ce qu'il y a un espoir pour que la population table commence à sentir ou souke quoi qu'a fait? Est-ce qu'il y a dit ça? Mais en plus, on senti que vraiment, il y a un petit souke quoi qu'a fait bon côté face de l'audio des Ibanez. Très bien, la situation. Multiplication, présence policier ou dans la rue, hein? C'est un signe qui montre qu'il y a des dispositions qui apprend. OK? Motivation, opération, intervention qui a fait dans différents espaces, li montre gagner yon volonté bon côté policier. Li montre bon volonté avec changement, OK? Pour venir avec Normil Rameau dans tête la police. Mais est-ce qu'elle suffit? Est-ce que j'ai la monitoring non, c'est comme ça le tadouye? Est-ce que li pa tadouye plus robuste? Est-ce que li pa tadouye plus serré? Qui ka permettre au moins que réouverture des classes qui annoncée pour 1er octobre qui vient là, pas oublier les personnes ou saute dans étalage que saute fait là ou saute dit ou saute montrer que pas gain pièce activité qui cap fait en dedans pays hein, en dehors sécurité. Si nous toujours dans l'insécurité, eh bien ou pral gain yon année scolaire qui pral paraître très difficile pour timoun yo. Ou pral rive dans année scolaire côté timoun yo pral perdre 10 jours de classe. Ou pral rive dans année scolaire côté professeur pas qu'à traverser divers espaces pour dispenser cours avec timoun yo. Et ensemble timoun sa yo qui a mal formé, qui pral gain pour yo prendre relève pour yo venir former l'autre timoun, eh bien li vinn pral rendre que pral gon société qui pas chiman. Nous vraiment qui responsabilité. Dans modèle opération, intervention, travail que la police a fait yo. Pour investir plus volonté, investir plus moyen qui cap permettre que résultat yo les situations yo satisfaisant. C'est pas résultat éphémère qui yo doué. Yo doué c'est résultat permanent. OK? Je veux dire passage la police dans Badelma, passage la police et dans Belen dans Solino, il pratiquement significatif et il dit gon bagay cap fait. Mais kounya des questions qui a posé. Pour qui ça c'est à l'attaque que policier yo allé dans base yo au lieu que vous arrangez dans grand action pour prendre contrôle. Mais toutefois que vous avez joué à la défensive, c'est plus facile pour victime. Mais si vous avez joué à l'attaque, c'est plus facile pour gagner match parce que vous avez gagné panique totale. Bon côté quel te gang 5 secondes dans le village, quel te gang et 400 Marozo, quel te équipe nèg vivant ensemble parce que gagne qui dans 400 Marozo, gagne qui dans 5 secondes, yo chaque qui a réglé à faire pa yo. Je dis, nous besoin d'assumer responsabilité. Chaque nègre prend frappe par yo, dans dimension par yo, et qui cap rattraci sous quantité de violence qui a fait en dedans pays. Parce que, ou pas qu'à bon pays, et puis bandit, nèg qui a zam illégal, fait ça ou vle, fait ça ou pito, nan lè qui ou vle, côté ou vle, qui vient priver population de liberté. Blessé de son motivation qui vient agressier. Nous te dis ça, nan yon nan émission qui nous te gagne, et ailleurs, blessé de son, nous te dis moun yo. Faut la médaille ici policier dans à travers plusieurs idées yo arrangé pour tal bail moun presser on se coup parce que yo rive comprendre gen yon ensemble de bandits que la police en quatre opérations qui a mené soit dans Badelma ou bien dans Belè en pile là yo a couru pour quitter base pour aller l'autre côté. OK, SOS a lancé par ci par là, autorité la police attendait et bien tant que j'en dis ou contrôler la pour publicité de 5 mecs qui va aller à donner sanction. Est-ce qu'on prend plaisir dans le monde qui a mouru? Mais non, on ne prend pas plaisir et dans la personne qui a mouru. Mais qu'on y a, on regarde. On regarde ensemble les gens qui mouru. Qui choix qui a été fait? C'est des jeunes garçons qui sortent dans le quartier populaire ou bien qui viennent habiter dans le quartier populaire. Ils ont pratiquement eu l'autre option. Qui prend des armes pour terroriser les gens. Et c'est des gens qui ont tué les gens. OK? Tant que je dis, nous avons des organismes de droits humains qui vous font travail. Mais nous besoin moun k'ap réprimande bandi yo tout. K'ap réprimande bandi yo pour yo suspend touye moun. Pour nèg ki gen zam nan ghetto ou blessé personne. La vie on moun pa égal avec la vie on fourmi hein. La vie on moun pa égal avec la vie on bête volaille. Li pa égal avec la vie on poule. Depuis nèg yo prend ou y a éliminé ou y a touye ou. Sans pièce réflexion et y a touye ou blessé personne avec douleur. Kote nèg la rache ou, kote nèg la vide di fè sou moun tout vivant. Comme si, dis-moi dans quel pays dans le monde là que nous ça va passer et acceptable. On pas quoi gagne un côté.
Si la police t'a continué à rester dans le confort pour t'a garder nek sa qui continue à faire ça ou pour faire là, eh bien ou t'a dit que tout le monde parti quitter pays, mais tout le monde pas bien capable parti quitter pays. Faut comme un bagage qui veut fait pour qu'a permettre que la paix y retourne, et si la qui t'est parti, qui envie retourner la caillou pour retourner la caillou et gain possibilité pour retourner. Parce que dans tout dernier moment, avion qui a atterri sous tamac à l'aéroport de Saint-Louverture dans Port-au-Prince. C'est matériel qui a porté. Est-ce que responsable de la police cap toujours gagné même discours? Il y a un problème matériel. Mais non, vous avez retour, il y a des bons avancées qui a fait. Et à travers avancées qui a fait, ouais, ont ensemble des résultats qui commencent à battre. Mais liberté tout qui a questionné, moi-même pas, j'aime pas questionner, parce que c'est juste pour montrer avec mon cap garde étant de nous. Nous pratiquement devons dégager intérêt, opinion vers la police nationale là. Vers la force armée d'Haïti. Parce que nous avons Kenya qui là, c'est des mercenaires qui viennent faire un job. Ok? Pour jusqu'à présent, il y a beaucoup de moyens. Ok? Il y a beaucoup de techniques, tactiques pour faire le job là. C'est, en plus de fois, nous avons pensé que c'était sauveur. Songez, les premiers 200 contingents Kenyans venus. Peuple haïtien s'était senti que l'Ibra le soulager, l'Ibra a sorti des situations qu'il y a. Mais, moi, officier Kenyon plus rete chita dans base, plus rete y a prêté plaisir, t'as poussé moun qui te vine dans candidat. Mais, été à ça, c'est fini. Fok bon bagay qui rive fait. C'est vrai, de ti accompagnement qui baye avec la police dans ensemble opération, mais le poko satisfaisant. Li poko satisfaisant, c'est comme si pas rien qui fait. Parce que chaque monde qui a questionné nous, qui a analysé avant, vous avez dit oui que la police commence à prendre quelques petits présumés bandits. Ces petits chiens chauds. Ok? Mais pourquoi j'aime un gros chef qui tombe? Oui, gros chef, il a obtenu. Bon, si pourquoi si pas un gros chef pour la population, pas une opération. Si ils ont continué là, ok? Monsieur qui auront des grands caïdes, ok? À travers Caraïbes là ou à travers Amérique là. Parce que c'est une plus grosse drogue dealer. Une grosse trafic en armes qui gagne. Non, pays d'Haïti, qui fait partie de Caraïbes là. Monsieur Alex Zakani, monsieur a dansé dans la piscine, monsieur a DJ, monsieur a boué tafia, toute qualité de tafia. Monsieur a une femme qui a sorti République Dominicaine, qui a sorti États-Unis. Parce que là, on a un live TikTok. Là, on a un live TikTok. Ou garde un paquet de belles femmes. Ok? Apparemment, ou t'as qu'à dire que visage de pas n'importe qui ça. Mais, c'est relation avec Bandi qui a cherché. Ces relations avec bandits qui a cherché. Parce que les conseils bagaille, travail du lever bonnet pour aller faire plusieurs jobs là. Il y a un pile là où il y a un problème à clé. Faut que vous jouez, on est qui a ici qui a cassé pour être monde, qui a spend money pour eux. Ok? Même parce que le pays arrivé non niveau, j'ai un porte-parole la police en dit, porte-parole principale là, parce que là, pas les porte-parole qu'on y a pour mettre précision. Parce que y a un dégoûté, porte-parole principale là. Exactement. C'est adjoint, c'est Lionel Lazare. Très bien. Nous t'attendons des monsieur qui t'est passé dans les Caraïbes, dans ramassé. Mais c'était clair, Blaise Tesson. Pour te montrer, question résoudre l'insécurité que nous avons là. ZAM, uniforme, policier, il n'y a pas suffi. C'est libre de volonté, beaucoup de population. Mariage là, il faut qu'il fasse dans sincérité. Ok? L'heure du mariage là, elle doit faire sous toute forme. Je dis, en pile, les qui dans le secteur privé des affaires. Fournir ces balles avec bandits. Mais ils ont été capables de changer de métier, Blaise. Ils ont été capables de dire, OK, ils ont trouvé une situation. Ensemble, les balles qui ont été stockées pour vendre avec bandits, bah, ils ont livré avec la police, ils ont retiré quoi dans le trafic ça. OK, ils ont pas la police, opportunité pour traquer ensemble les bandits. Puis facile, mais ils n'ont pas fait. Population civile, là, qui pratiquement a souffert. C'est pour ça que nous devons faire toute qualité de mouvement qui est capable d'aider la police dans le cadre d'opération qui a mené pour traquer les bandits. OK? Tout côté au passé et permettre que le sommeil soit troublé, permettre que pas à l'aise pour quelle que soit la raison, parce que vous troublez sommeil pas ou pas campé. Nèg yo troublez sommeil ou yo décapitalisé ou yo rend nous pauvres. Pendant yo même yo multimillionnaire dans kidnapping, dans détourner camion marchandises. Sali Dieu en pile. Gèdè moun kwa gade la belle personne. Si problème insécurité ça ta résoudre. Ou pa paquet moun et qui pral souffrir maladie sucre. Ou pas un paquet de monde qui prend des troubles mentaux. Parce que moun nan ki pratiquement te gen onti pharmacie en bas la ville là. Nèg yo ale piye, yo mete du feu. Moun nan ki te investi tout ça te gen, tout ça le di fait aux États-Unis. Divin investi dans pays parce que li di pays moun pa pays.
et puis c'est garde, garde, c'est rete, rete, ouais, il y a espace en bas, il fait pas. Je garantis, vous, ça, faut bien qu'il y ait, pour le parler avec vous, peut-être qu'il n'est pas parti. C'est avec nous besoin de prendre responsabilité, nous, nous besoin d'accompagner force de l'audio, oui. Et tout le monde qui pratique pendant le compte du pays à côté de l'IAO, depuis nous identifier, c'est pas ta négligé, bah, ça va mériter, quel que soit à côté ou à travers le monde, là. Blaise, ça qui a passé dans le pays d'Haïti, là, sorti 29 février pour arriver jeudi, le pays a fait bac pour plus qu'on trentaine d'années, oui, et même plus, oui. Pour remembrer, remettre campé ensemble des dégâts que nous fait, oui. Et puis, même groupe nèg ça, comme si pour y avait des monde qui a demandé de dialogue avec eux. Comment qu'a fait dialoguer avec une équipe nèg qui dit OK, il y a un problème sur dialogue et puis il y a plein de pièges. Il y a fouillé tout, il y a monté mirail, il y a crasé route et pour besoin de dialogue. Ou tout besoin de dialogue, ou a fait acquisition, ou a acheté nouveaux armes, ou a acheté munitions et pour besoin de dialogue. Comment dialogue l'a fait là la même? Dialogue l'a fait avec nèg avec zam non mais yo. Puis bel dialogue la pied, Blaise Peterson, c'est là. Toute unité en dedans la police, comme gouvernement annoncé que là il y a baio affection. Dans ça qui vient pour avec augmentation sous salaire yo, il y a prévisé salaire comme que au pays yo, et garder prime de risque yo, et garder ti 4 que au compte bailo, garder assurance santé yo qui doit bailler plus volonté et souhaiter que prime de risque là, OK, li pas permettre que nèg yo continuer que monsieur ça va pas avancer sur parce que li important pour chercher résoudre problème insécurité que nous gè la blessure personne parce que li trop duré, elle fait mal en pile avec tout secteur de notre pays. Effectivement, des Ibanez, question de sécurité a trop duré, et c'est dans ce sens ça, qu'il y a un ensemble de pays qui comprennent toujours dit, pour que tu aides Haïti, bien que tu n'aies pas innocent dans le problème Haïti en tout, non, on comprend, parce que je dis à Fanda qu'on ça tout, que et l'Occident n'est pas innocent dans le problème Haïti, c'est qu'on comprend, il n'est pas innocent, mais là, depuis que volonté, on voit que ça t'a voulu ça résoudre, là, capable de résoudre, et ça fait même quoi que je dis, et chaque monde doit comprendre, doit engager yo nan wè ki jan ki fason capable aider nan résoudre sa gèl la comme insécurité. C'est vrai, li pa facile. Li pa facile du tout, mais avec volonté, avec vouloir, n'ap rive quand même tabli un mot sur sécurité, un mot sur la paix en nan pays. Et moi dis le désir et chaque ça yon moun capable poser comme action. Chaque ça un moun capable garder il capable de permettre que nous les jouer et les porter participation parle les porter contribution parle dans aider résoudre sa guerre comme situation haïtien et surtout insécurité hein la petite parce que là nous calfou difficile et calfou difficile ça si que nous quitter le praler gens pour aller là c'est nous tout cap perdu d'ailleurs nous on commence perdu déjà l'aime dit nous m'a parlé des populations civiles là commence perdu. Parce que honnêtement, l'en gade, qui est-ce que qui mourit dans le ghetto? C'est mon nan katif défavorisé. Qui est-ce qui bandi a violé? Qui est-ce bandi a boule bisisio? Qui est-ce qui geti kayote redi fait kavadi nan pays États-Unis, mais nan frézi? Et puis yorive yo même, résout problème. Et fou meton ti kayakap en Haïti, je dis, ou bandi a me a boule, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui semble avec yo. Et ça fait, je dis, bataille lan, li doué son bataille, qui doué avec chaque gen haïtien. Qui pour comprendre que, mais qui gens que lui-même pour le capable porter contribution par là. Et je dis, je crois que si que nous conscients, si que nous d'accord, si que nous admettons pour que l'insécurité lui-même ne résoudre, je dis, et en nous garder comment que nous capable, chaque monde jouer partition par là, chaque monde jouer contribution par là, dans aider résoudre le problème qui est là. Et pas oublier, tout le temps d'autant que les États-Unis ont décaissé 45 millions de dollars dans la question d'aide humanitaire. Pendant ce temps, Anthony Blinken, lycée Saint-Domingue, ou c'est des projets, bagay université, des grandes industries à parler pour Saint-Domingue. Mais nous-mêmes, nous créé une sécurité pour nous, avec un ensemble de conseils, un ensemble de traite dans la classe politique, dans la société civile, dans la classe économique. Là, et puis, on a là, on finit de créer le banou, et puis, il a quitté nous dans l'assistanat, il a quitté nous. Mais je me demande, est-ce que qui les Haïtiens apprennent conscience que c'est eux-mêmes qui pourraient tirer Haïti dans sa lèvre-là? Moi, je dis souvent fois Haïtiens, c'est nous-mêmes qui pourraient tirer Haïti dans sa lèvre-là. Parce que c'est un plan que l'Occident gagne. L'Occident gagne un plan pour nous rester dans sa nier. Parce que y a fait une paix fréquence nous. Y a toujours mettre dans division entre nous.
y a fait une paix fréquence nous et jusqu'à présent moi haïtien beaucoup j'aime capable comprendre ça l'occident a fait une paix fréquence nous d'accord que nous c'est petit ghetto hein nous prend zam nous touyer nous violer nous mettre tifé nous craser nous kidnapper alors que qui est soit fait tout ça yo même qui semble avoir volant hein? Mais je dis hein et ça fait en plus mon dit que il va prendre la peine il va prendre pitié les a regarder gens que la police n'a boucanté coup zam avec bandio gens qui a regarder ensemble de bandi a tomber je dis va prendre la peine non yo dit va prendre pitié non ah pas connait yo dit va prendre la peine il va prendre pitié parce que les nèg ça prend yo touye yo fait tout vieux mal action sur yo mais je dis hein moun yo veut comprendre que ça gain là ça qui a passé là eh bien je dis hein c'est un lever campé et c'est un coup d'accoup qui vous faites désir bah on va pas ajouter rien nous t'a venu avec madame Dominique Dupuy. L'important, on vient avec madame Dominique Dupuy qui pratiquement représente le pays d'Haïti valablement dans la diplomatie qui prend des décisions surtout et pour suspendre la corruption qui envahit la diplomatie pour permettre monde qui à niveau vient représenter le pays d'Haïti dans la diplomatie parce que l'important est nécessaire pour nous regarder et pour la diplomatie bien masse l'a demandé pour développer des relations avec des pays étant pour Jean madame Dominique Dupuy dans sortir aller au Brésil rencontrer et à chercher des supports. Surtout, soit parler des questions d'insécurité qu'on a là, faut aller en amont et en aval pour chercher à résoudre. Empêcher Zamio de rentrer dans le pays, bien contrôle Zamio, bien contrôle ministère. Ça nous pense que ensemble travail ça, les mérites fait. Et pour les policiers, pas continuer à tirer roche dans la main, dans l'esprit qu'il y a plein, tous les bandits, l'autre bandit a intégré parce qu'il y a une ZAM, il y a une munition. En nous, pendant que tous les bandits, et puis dans l'arrangement, et pour nous faire ZAM, avec le ministère, si on est en train de payer, il y a une situation. Il est même déplacé qui est dans le studio avec lui, avec nous. Abdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbe. Bonjour Guerrier, bonjour Caraïbe, bonjour à tout auditeur, auditrice. On a commencé d'emblée, depuis le gouvernement Gariconi prend pouvoir, donc la presse et les gens considèrent que c'est un ministre qui est actif dans le gouvernement. Et première action pour tes princes, c'était rappeler un pile diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption, résumé en tout cas. Et hier, lundi, ULCC l'a publié et transmettre officiellement à la justice ces rapports côté demandé pour mettre Action publique en mouvement contre 13. Déclaration patrimoniale, c'est ça la loi mandé. Et le ministère n'est pas là pour le temps pour le diplomate faire erreur. Et puis pour après, il a puni lui. Il a pour encadrer le diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans l'erreur. Parce que ça qui est important pour comprendre et guérir, c'est ce que je toujours dit. Tout poste qui est un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme ancien chef mission, je dis que nous jouons un pile privilège, mais il y a un pile responsabilité qui vient avec poste là. Et il faut toujours un équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là, mais ou répondre à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant 10 installations. Hein? Je dis qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Bon, ça n'a bien avancé, nous ka connait tout nous te déposé des instruments juridiques et qui ta censé adopter bientôt. Nous déjà gagné un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes, c'est pas seulement faire une réforme dans action mais son réforme qui ka arrêter de façon pérenne et durable pour ministère là demain l'homme parle encore là c'est un nouveau ministre qui ka bâti sous lit et créer un cadre légal tout côté diplomatique ka rejoindre tête yo. Ou c'est pas seulement et orientation ministre qui décide direction ministère là mais que ministère là en lui-même il y a une fondation et on base qui permet tout diplomate connaît règles du jeu yo. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par population hein. Et diplomate yo même c'est sûr que nous avons une période tout changement provoque une certaine instabilité mais ambition hein, et je pense que nous pas de décourager faut nous continuer ambition c'est justement pour que nous et tirer ça qui pas bon, qui met ça qui voulait travailler, qui peut-être caché en bas ça qui a fait ça pas pas ta doué à faire et essayer mettre moun ça yo parce que nous gen de très bons diplomates qui voulaient au service pays yo mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour percer tout. Et concernant plan 50-50, ça veut dire une sorte de égalité garçon femme dans diplomatie hein, vous sentez-vous sur bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent?
Alors, ça, c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel li, plus en rapport avec qui ça qui bon pour intérêt commun. Donc, là, on prend une femme dans la diplomatie et pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc, ce n'est pas moi-même qui dis, c'est à travers un paquet de recherches qui fait, qui montrait que leadership féminin a une capacité, ça. Ça ne veut pas dire que garçon va louer dans poste leadership. Mais équilibre, c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, ou bien servi en vision, qui sont vision que nous devons défendre, qui c'est l'égalité des genres, que le Premier ministre défend de façon très sérieuse et nous, elle, dans l'égalité des genres que lui montrait et dans le cabinet que lui publiait, nous, elle, dans le ministère régalien, yo, que lui proposait deux ministres femmes pour deux ministères régaliens. Et je pensais que c'était normal et c'était bon moment pour que nous te fassions place pour femmes haïtiennes. Et nous avons dit, nous, ce n'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu. Au niveau international, ça fait un pile bruit de façon positive. Ils ont surpris, et même au Brésil, parce que nous parlions sur le Brésil sûrement tout à l'heure. Et au Brésil, ils ont dit, mais nous inspirer, nous rencontrer des responsables instituts Rio Branco, qui c'est l'académie diplomatique là. Il a dit, nous, c'est qu'on y a, ou ben, nous, on barre, pour nous suivre, pour que nous arrivions à l'objectif, ça, à tout, parce que, mesdames, yo, gain place, yo, dans le poste leadership, yo, et me pensais que, et jusqu'à présent, il a fait preuve, yo. Alors, dans ce qui a avec formation, nous avons annoncé que nous avons un partenariat d'Acadie entre l'Académie Jean-Christmas et Corpua. Et qui est-ce que vous avez dans le moment ça? Son protocole qui parle signé aujourd'hui, nous très contents parce que protocole, ça parle permettre nous faire un paquet de bagages. Premièrement, il va renforcer l'académie hein, et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie hein, qui décentralisés, qui équitables, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince, nous t'ai annoncé le MT fait entrevue en métropole que c'est un bagage que nous t'ai voulu faire. On y a annoncé que le bras le fait dès aujourd'hui, il va est officialisé côté que concours il va l'organiser par Corbua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons, côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo, ben nous allons déléguer et on partie autorité ça pour que nous décidions ensemble avec Corpua. Parce que ça qui est important pour nous comprendre, c'est pas seulement que nous dit Corpua, mes responsabilités à mes ballons, c'est que l'académie vient faire partie à part entière de Corpua. Donc, c'est une décision qui vient à faire collégialement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire il passe mettez sous côté, n'a pas les deux Du tout, du tout. Au contraire, Livine, et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corpua, Capsien Jodia, son partenariat de fait, parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions. Il répond nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole, on parle seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis et gestion boursière. Et aussi tout, et ça me très content de l'annoncer comme Monocap, et diffusion cours que l'Académie a bâillé, notamment dans master, qui est accessible dans l'université publique, yo, et c'est l'université publique du Nord qui prend la première université, qui prend le gain capacité pour lire et diffuser cours ça, yo. Donc, ça veut dire aux étudiants ou étudiantes qui sont dans le Nord, il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous, Ah, il va me venir, il va me tourner. Moi, t'as passé désir. bon, je pense que ensemble des avancées qu'a fait là, on a l'espoir, surtout pour jeunes garçons, jeunes femmes qui veulent continuer à former tête yo et aller à l'école, aller à travers les bourses d'études, aller chercher pour porter bail. Et depuis qu'il a entendu ça, au fait, dans la diplomatie haïtienne. Depuis qu'il a entendu, et ministère affaires étrangères, t'es qu'on pratiquement a cherché à accompagner des jeunes garçons, des jeunes femmes qui veulent continuer. Depuis qu'il a entendu, ministère affaires étrangères t'a fait promotion pour la femme. Intégrer et venir participer dans la diplomatie pour venir prendre responsabilité. Parce qu'elles sont pratiquement, et on voit qui normal, on voit correct, qui capote des résultats, qui a changé et retiré source corruption, qui était pratiquement éclaté, pété dans la diplomatie haïtienne, et a passé tout le temps déclaration et définitive sur l'impôt, impôt sur le revenu, et pas jamais gagné, qui fait déclaration patrimoine, il pas jamais fait rien, il permet que il quitte possibilité pour continuer à ramasser l'argent. Mais je pense que ensemble relation ça, c'est eux-mêmes qui l'ont cherché, qui peuvent poser des choses pour changer conditions et la vie en dedans pays en sous toute forme d'expression.
On avance avec ministre Dominique Dupuy. Et nous même femme dit nous femme saluer monsieur Corbuyayo parce que particulièrement président qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça yo voulait faire en partenariat avec Académie Jean Pressemans là et notamment des cours à distance avec des professeurs qui dans diaspora qui a fait des échanges d'expérience des anciens diplomates des sommités yo vraiment gain une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre yo rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, on a soumis 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui a été adopté dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché? J'aime dire, nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature, de services juridiques primature, et nous allons l'accommoder. Il y a des remarques, bien entendu, très pertinentes. Et une fois que nous finissons avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement, vous êtes dans le pays Brésil, vous êtes en tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et quel est l'objectif principal et voyage ça? Qu'est-ce que vous venez avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, son pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'été important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'été important pour que nous regalvanisions le soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et son désengagement que parfois est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise. Pays yo di que investi na Haïti ou pa pou sa investi et puis yo bay vague. Fòl nan même contexte là, ou gen environ 60 conflits dans le monde, 60 situations k'ap sollicité attention communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaît yon ki pi important c'est en Ukraine qui prend toute attention surtout et l'Europe, ou gen situation au Proche-Orient, ou gen situation au Moyen-Orient, excuse-moi, ou gen situation qui nan pays africain. Et là où est Soudan par exemple et qui mandait en pile attention de communauté internationale là Haïti on ti jan invisibilisé blié OK l'été important pour que nous aller à la rencontre de pays dans région que nous senti qui ta ka aider nous dans plaidoyer que n'a fait surtout à la veille de assemblée générale là pour que nous river avec une position harmonieuse de cohésion de solidarité régionale pour que nous mandé corré effort que gouvernement a fait en Haïti pour que nous couper insécurité à grand goût et question sanitaire là donc c'était il pas même des questions que Brésil t'est doué premier mission que m'était allé là-dedans pour que nous mobiliser pour que nous écouter tout qui ça yo ka fait avec nous qui partenariat nous ka dégager mais qui ça nous même nous ka fait qui puis bien tout pour que comprendre besoin population et haïtienne. Et m'ka dit nous que m'extrêmement satisfait de mission ça, hein? Extrêmement satisfait de rencontre que m'fait yo et ça nous déjà connaît qui déjà public d'ailleurs le Brésil communiqué sous lit, c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois pour côté lit. Faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc, là où gain problème sécuritaire là, faut tout ou pas adresser problème crise humanitaire que pays a traversé dans tout département yo. Parce que nous connaît que nous gon seuil grand goût, on seuil de la faim que n'a pas atteint à un niveau sans précédent. Nous connaît que nous gain des facilités que nous pas gain au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de crise sécuritaire là faut nous qu'on ait des partenaires qui aident l'état renforcer présence li au fur et à mesure que n'avancer sous plan sécuritaire là parce que yon pa ka fait sans l'autre et premier ministre l'a dit tout le temps stratégie pa ka que nous tonne que sécurité en régler pour après nous dit oh et pas nous gain tel problème et pas nous gain tel problème avancer sous tel problème nous obligé faire en même temps donc l'on regarder toute série rendez-vous que m'te prend yo, c'était des rendez-vous pour relancer en coopération dans plusieurs secteurs qui ca permettre l'état renforcer pour prendre responsabilité dans tout pays pas seulement dans zone métropolitaine non, il
qu'il y a des projets que me tourner avec qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui ca permettre l'État à renforcer au fur et à mesure que n'a fait des avancées dans le domaine sécurité là. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako là-dedans. Moi pendant que j'ai rencontré avec président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous qu'a espéré pour soutenir le processus électoral là et pas moi ici. C'est en priorité absolue et réunion ça était extrêmement intéressant et moi rencontré avec président là et ça moi ouais, c'est que j'ai soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn re-rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi a c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote yo dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous gain pile que nous ta ka apprendre et li manifester volonté pour que li mette et savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode formation et staff personnel qui gain pour yo travail dans processus électoral là. Li accepter pour recevoir des cohortes d'haïtiens qui ka vinn prendre formation au Brésil tout comme pour li voyer des cohortes de brésiliens qui ka vinn faire des formations sur le terrain. Donc déjà gon échange donc, en matière électorale. En matière électorale. Et donc et appui ça li déjà conséquent et plus que ça, li montrer nous que au Brésil on a un taux de participation extrêmement élevé parce que il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale au niveau civique, mais aussi tout, au cas où elle dans tout coin la rue, des banners parce que on élection là dans une trentaine de jours, il a pas une élection et locale, ok? Dans 6000 villes, il a lancé une élection et tout côté où est des panneaux qui sensibilisent population à devoir de vote là. Et ça lui promet nous, c'est que il a travaillé avec nous sur des messages. Qui ca permet nous atteindre population pour que nous resensibiliser pour que culture électorale là ca renforcer parce que ça privé et nous discuter de ça dans Brésil là le ou passer tout temps ça va gagner élection ou ca bon désengagement même si nous yeah. Demander élection ou ca ouais que pas bon habitude électorale qui établit dans tête moun yo pour yo connaître deux voix que yo gagner pour y aller voter pour yo décider le destin yo comme faire là ou lancer une campagne de masse ou qu'à remobiliser des gens qui peut-être étaient insensibles à la nécessité de vote là et au promettre nous accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui est pour la formation et de cohorte qui vient by formation tout, vous avez annoncé que 400 policiers et haïtiens qui viennent pour la formation et au Brésil, surtout dans le contexte d'insécurité que nous y est là, je veux dire là. Et qui mécanisme nécessaire qui embranle pour accélérer les processus? Alors, ça, c'est une autre belle proposition que nous recevons du gouvernement brésilien qui accepte de recevoir 400 policiers dans un premier temps. Ça veut dire que c'est une porte ouverte liée. Maintenant, pour mécanisme, yo, et très prudent parce que c'est pas domaine compétence, pas moi-même, ça me vient avec bonne nouvelle là, me vient avec des propositions. Hein. Et représentation brésilienne en Haïti déjà rejoint instruction pour que li en contact avec autorité compétente yo et ministère de la justice direction générale police là pour que yo suivent ensemble comment qui gens qui leur il y a optimal et puis qui est tout qui pour yo bénéficier de formation ça yo. Mais moi même l'essentiel c'est que nous t'es allé nous t'es font cas nous t'es montré que c'est un appui que nous t'es cas et besoin et yo t'es accepté moi porter résultat ça. Alors, en plus de engagement troupes kenyanes en Haïti, il y a des autres pays, amis Haïti également, qui semblaient hésiter pour agir concrètement, pour capable soutenir force-là. Est-ce que vous avez une garantie claire dans les autorités brésiliennes concernant la contribution pays dans la bataille pour établir la paix et la sécurité en Haïti? Je pense que la question ça allait dans le même sens. Début conversation, gon réticence certaine sur crise que nous vivons. Et c'est lui-même que me relé un certain désengagement que nous sentis. Faut nous songer tout guerrier que mission ça pas en mission onusienne. Et
dans plusieurs cas, ça nous réalise, c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour pays pour y participer là-dedans. Parce que y a pas fin connaît comment pour y inscrire tête, tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines, pour y connaît qui rôle y a joué dans mission. Ça n'a pas empêché que nous avons pile pays qui déjà engagé pour y proposer des hommes, des femmes et proposer tout des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça, moi-même, moi, je l'ai retenu. C'est que Brésil comprend principe en même temps. Yo comprend que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite toi avec population. Et pour population qui a couru dans lutte que n'a mené, faut population qui a jam, faut qu'a gagne accès à un repas, faut qu'a gagne accès à soins santé, faut qu'a gagne accès à l'école. Et donc yo une réunion que me senti qui était assez important, c'était avec ABC, qui c'est l'Agence brésilienne de coopération, côté que eux-mêmes, ils ont déployé un éventail pour dire, nous, OK, dis-nous côté priorité gouvernement, Chita, Kounia, et puis nous-mêmes, nous avons forcé automatiquement. Et je vais aller plus loin avant. Question contre bonne frontière, là. Hier, nous étions en conseil de gouvernement et nous parlions de ça. Si pour nous, nous avons un exercice fiscal qui a venu, côté que nous avons des recettes, qui conséquent qui kan fè le, permet l'État faire face à la responsabilité que le gagne yo, faut que nous ka frappé contre bonne pe, toute perte ça yo n'a fait sous frontière là. Mais Brésil son pays qui gagne 10 frontières. Li yo expert en question gestion de frontières. Automatiquement nous te soulevé point ça avec yo, yo di nous très rapidement yo ka vin accompagner nous pour gestion et contre bonne sous frontière là. Donc ça c'est un exemple concret que m'ka di qui lié à question sécurité en comment. Nous connaît très bien qui bon zam yo passe. En grande partie yo passe par frontière là. Une fois qu'on a un accompagnement pour gérer frontière là, on a un accompagnement pour juguler en source d'insécurité. Donc insécurité elle est transversale et li attaquer, li contaminer toute sphère la vie sociale là. Donc on pense que vision ça permet nous que Brésil va le corriger nous dans plusieurs aspects notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment corriger effort que nous gagnons pour nous camper contre bannan et ensemble des forces à yo yo certains pour yo aider nous et répondre à la crise sécuritaire là. Alors dans cette discussion sur réparation dans le pays Brésil et qui bénéfice Haïti capable de tirer dans cette conférence là sur question Afrique et diaspora Afrique et Amérique. Alors, je nous connais hein, le mois dernier, les nous allons dans CARICOM, dans le sommet CARICOM là, avec le président et conseil présidentiel, là, le président Leblanc, nous t'a annoncé que Haïti a rejoint une commission CARICOM là, pour question réparation et restitution. C'était un pas et significatif parce que Haïti a gagné droit. T'es gagné en polémique sous ça. Est-ce que nous t'es déjà membre? Est-ce que nous pas comme membre? Haïti t'es toujours gagné droit pour te rejoindre parce que nous sommes membres CARICOM, mais le pot que j'aime rejoindre. Donc ça, si un bal, c'est nous-mêmes qui signifiait et président Leblanc t'a annoncé publiquement, ça t'a recevoir avec on, et par acclamation. Et ensuite, nous-mêmes dans le ministère là, nous voyons une notification formelle là pour que nous dit que c'est je nous t'ai annoncé là UEH à travers un groupe de travail que l'il créé sous question hein, qui va représenter Haïti et comme il t'a demandé un représentant individuel qui a participé dans le débat, c'est recteur UEH. Et recteur Fritz Deshommes qui parle représenter Haïti dans la question ça. Mais recteur Fritz Deshommes était allé participer dans la conférence là. Et lors parler de résultats, on a pensé à deux bagailles. Premier, bagaille, c'est que si on ne pas faire partie d'une conversation, on va pas espérer rien là-dedans. Ça veut dire qu'on va pas parler et puis ou même ou chita bien loin ou écouter oui et vous dire oh et papa ça mais ça tombe et puis même pas là-dedans. Si on conversation qui concerne ou, et ou pas impliqué ou là-dedans, ou pas espérer rien. Donc, la première chose, c'était de dire que Haïti parle participer dans la conversation, ça, dans le débat, ça. Et Haïti, non seulement légitime, Haïti au cœur de questions qui concernaient réparation, restitution. Donc, nous vînons occuper un espace de droit. OK? Deuxième bagaille, là, en termes de débat qui était étendu sous trois jours dans le Brésil, que moi-même pas participer, nous avons fait réunion bilatérale, recteur des hommes a participé, et puis dans le segment ministériel, là, nous vînons adopter résultat et tout débat qui t'a fait pendant trois jours yo à travers une déclaration. Mais m'espérer si nous pouvons gagner et on connaît recteur là t'a fait en communiqué et université en t'a fait en communiqué. C'est un moment très significatif.
côté que ensemble pays diaspora africaine qui était représenté adopté déclaration ça dans lequel il y a un paragraphe dédié à Haïti. C'est le seul pays qui bénéficie un paragraphe pour lire à part entière. Et dans paragraphe là, il non seulement rappelé rôle historique Haïti dans libération des peuples de la région, décolonisation du continent africain, mais le prix qu'Haïti a dû payer pour en arriver là. Et ce n'est pas rien parce que l'on a bâti un processus pas ou aller étape par étape. Ou pas qu'à penser demain nous pas dire OK nous dans question réparation restitution et puis mais ça qui arrive. Non, faut bâti on trame et faut ou gagner des assises tout avec des efforts conjoints collectifs et sereins. Et c'est espace ça que conférence là te permet nous et c'est ça me te dit dans allocution là que nous ca commencer rentrer en conversation pour nous garder dans même direction avec pays qui gagne même sort avec nous qui fait face à même défi qui gagne même potentialité et pour que nous ca essayer on joindre nos chemins communs de dialogue et de justice. Alors non pas arrêté en pile temps, est-ce que non on a parlé là il y a des suivis qui a fait avec des pays comme États-Unis, Canada, République dominicaine par rapport à décisions, sanctions qui dépendent de prononcer les personnalités au pays. Je pense que le ministre de la Justice a été prononcé sous question ça et Haïti sollicité que vous partagez le rapport avec vous. Et nous connaissons que il y a un pays en particulier, dans un pays qu'on fait cité, qui contacte moi hier pour dire nous que vous avez recevoir de maintenant et que vous avez avancé avec lui. Pour nous, ça c'est vraiment du ressort de collègues, moi, ministre de la Justice. Nous-mêmes, et dans le ministère des Affaires étrangères, nous avons un rôle de transmission seulement entre les pays. Et m'a quitté et partager avec nous avancer que vous avez sous dossier ça. Alors, ça, c'est Maxime Moussignac qui demande et pose une question ça pour lui. Il dit qu'il travaille pour comprendre le patrimoine culturel de l'humanité, tant que sous-jumon, dans quelle phase? Compare, c'est pour décembre 2025. Mais avant qu'on parle, nous gagnons décembre 2024 côté Cassavla pour l'inscrit. Et je suis très attaché à Cassavla tout parce que Cassavla, c'est la première fois Haïti pour l'inscrit en patrimoine avec l'autre pays. De façon collégiale, et ça aurait lieu en candidature multi-pays. Et je pense que on signale très fort parce que d'habitude, nous inscrit patrimoine nous inscrit des patrimoines qui propres à nous et c'est très bien. Mais l'important tout, on lance un signal que nous gagnons des patrimoines communs que nous partager et que nous ca célébrer ensemble. Je dis, on a fini, hein? Qui discours diplomate nous yo t'a doré adopter dans pays côté ou accrédité yo face à un contexte interne qui marqué par incertitude, insécurité, contrôle gang yo sous qui ont même dit occuper Jean Chef yo Bailly presque 80% territoire dans capitale là. Ou voulez finir, mais question ça m'a dit une réponse longue. Je pense que le message que vous devez kembe est un message complexe. Et pour la première fois, comme dit le guerrier, le ministère a travaillé sur un narratif de la position gouvernementale que nous allons partager par toute mission diplomatique, qui va servir d'élément de langage pour que nous avons un discours harmonieux. Et je pense que d'ici fin semaine, un narratif va partir pour que nous parlions d'une même voix et que le conseil diplomatique l'enca et efficace. Donc, qui message pour yo kembe? Premier ministre, l'angomba, il me dit, et me pense que li très puissant. Si moun haïtien yo, pas moins mériteux qu'on ti moun en Ukraine, vous parlez de Ukraine tout à l'heure, yo pas moins mériteux qu'on ti moun Gaza, par exemple. Yo pas moins mériteux qu'on ti moun dans Soudan du Sud. Crise sa yo, yo important, yo grave, et je m'tape di yo lan, yo monopolisé attention internationale là. Mais nous-mêmes, nous méritons tout pour que ressources, attention, soutien, ka vini pou kore nou nan sa que nous décidons de faire. Et grand discours que diplomate yo ka kembe jounen jodi, c'est que Haïtien yo décidé mettre main yo ensemble pour que yo change yon bagay nan pays. Et yon exemple important yo, c'est que c'est yon premier gouvernement de transition qui publie yon feuille de route. Feuille de route lan ki sa liye, son plan d'action, son carte que on dit mais comment on va le déployer et former, mais qui ça qui prioritaire pour moi? Moi gon stratégie, moi gon vision, moi gon route sous moins de 17 mois qui rete yo. Vin korim,
mais qui bon ka korem, mais comment on ka korem? C'est pas vini et puis nous gen 23,000 ONG qui a agi de façon désarticulée, qui pas nécessairement au courant de qui sa priorité gouvernement y est, comment yo ka aider, qui gen doublon, qui gen des actions que y a fait qui pas en adéquation avec réalité journée jodi a, qui c'est des plans d'action qui étaient bâti depuis 3 ou 4 ans et qui pas prend en compte contrainte et urgence actuelle yo. Donc feuille de route là vient remettre compteur là à zéro. Il dit mais comment, mais côté nous praler, mais comment nous arriver, viennent joindre nous, viennent aider nous. Et diplomate yo gen feuille de route ça comme outil côté que yo ka joindre des représentations, yo ka joindre ministère, yo ka joindre et agence de coopération yo pour yo identifier des zones d'appui, de soutien que l'État haïtien ka bénéficié de yo. Donc on pense que journée jodi a nous avons une bonne position pour que nous articulions le fait que conseil présidentiel là, le fait que l'y existait accord 3 avril là, montrer une capacité pour que nous venions ensemble sous une crise qui te semblait sans solution et au moins que nous d'accord sous processus qui doit mener à élection yo et surtout guerrier m'pa vle fini sans ça que diplomates yo comprennent tout que nous gen obligation électorale, nous gen une obligation pour que nous permettre et conditions yo réunies pour que nous ca respecter et engagement ça février 2026 et que nous ca remettre pays à bay en administration en gouvernement en président élu le 7 février 2026. On va pas oublier voisin nous la République dominicaine dernièrement outre dans l'actualité avec décision pour représenter en tout cas pour pays à pas représenter dans investiture président Abinadel là pas Abinadel oui c'est ça oui, oui d'accord donc Kounia et tu gagne des explications qui baillent à ça est-ce que nous capable dire dans on a parlé là gagne la dire relation yo normal pas gagne différent et ensuite qui ça traduit le fait que dernièrement premier ministre là ou même également noté sur canal là alors raison qui fait que et parce que li important pour nous parler de point ça et me content que vous posez question hein. Haïti a toujours continué explorer tout mécanisme que nous gagnons pour que nous ca chita sous même table avec République dominicaine pour nous analyser des questions d'intérêt commun dans un climat de respect mutuel. Une fois que nous gagnons condition ça, nous même nous en faveur de dialogue là parce que nous sommes ils que nous partager, un destin que nous obligés partager parce que nous coller ensemble, dialogue là essentiel. Donc nous pas gagner en quelle opposition à des mécanismes de dialogue et condition pour nous c'est un climat de respect mutuel et de d'égalité sous table négociation, table de conversation que nous ouverts à créer et à n'importe quel moment et peut-être que Assemblée générale ONU en occasion pour que nous ka gagne échange ça yo. Kounyan pour visite premier ministre sous canal là et me pense premier ministre était très clair, li vinn wè, li vinn koute, li vinn comprendre. Me pense que canal là c'est une question qui occupait en pile espace dans débat national là et dans débat international là et li important avant que premier ministre là ka prononcer le sou li que li ka gagne une connaissance de question et qu'a discuté hein et il était fait premier pas ça que m'étais trouvé qui était très courageux et que m'étais fier camper à côté pour le faire. Nous pas qu'a quitter le ministre sans que nous pas garder venu secrétaire d'État américain hein. Donc merci Désir Venès vraiment nous te permettre amis nous tu capable t'en dire dans toute intégralité interview ça de madame ministre Dominique Dupuis et ministre des Affaires étrangères haïtien. Et qui parle un peu le cause, un peu le parole, même moi, t'es voulu garantir que nous tendons toute intégralité interview ça des Evenes. Bah, qu'on est sous combat, on va ajouter, mais si on va pas ajouter rien, il était pour nous croiser dans la mi-temps juin, mon frère. Merci tout le monde, nous pensons que c'est important. On continue à mettre valeur sur le monde qui mérite valeur. Donc, madame Dominique Dupuis, qui pratiquement fait un travail extraordinaire dans le gouvernement, laisse ça bon dire bon. N'est pas bon tout, on a une position critique si ça pas bon. Et nous souhaitons qu'elle continue bon, la situation de la croisée et non, parlez plus sérieusement pour continuer à informer Mounio. Merci Désir. On espère que Clonel et Antoine collaborateur nous les mêmes la prise avec nous pour être capable d'informer, à nous informer, les amis internautes nous. Même qui a peine tombé sur mes 5 nouvelles, blessé, faux pain, nouvelle, votre calbasse info, Racine Nouvelle Haïti, abonnez avec Média ce soir, peine tombé sur eux, mais sous déjà, on nous like, émission ça, nous partager, l'un qui est en commentaire.
et en nous activer cloche notification pour pas jamais rater rien dans l'émission. Merci Désir, à quoi c'est mon frère.